Coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du jour. Nous sommes lundi, donc là, on va prendre la route, on va s'en aller direction Montréal, direction Mascouche pour aller faire des commissions pour la sœur Alinda. Et puis, ben c'est ça, c'est pluvieux, il pleut, il fait froid, il fait pas beau, 3 degrés. Donc j'espère que vous allez bien. Et puis j'espère que c'est pas trop difficile le confinement pour vous en ce moment. J'espère que nous allons passer un petit moment ensemble, un petit on va dire 45 minutes à peu près, je sais pas exactement, puisque on va rouler un petit peu sur la route. Je vais faire quelques morceaux de vidéos comme ça sur la route, et pour répondre à vos questions, aux questions du jour, les questions qui m'ont été posées donc hier sur la vidéo YouTube. Et d'autres questions aussi qui m'ont été posées dans la formation ou dans des courriels privés plutôt. Et puis voilà, donc ben, il fait vraiment pas chaud. Allez, on va y aller, on se retrouve un petit peu plus loin sur la route. Cours en Australie, mais atteste déjà d'un troisième épisode grave de blanchissement. Ce phénomène est le signe d'un dépérissement des coraux qui se traduit par une décoloration de la pigmentation. Il est dû en grande partie. Alors là, on va passer sous le fleuve Saint-Laurent. C'est le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est celui qui relie l'Orgueil à Montréal. Oui, c'est ça. On entre sur l'île de Montréal. Lundi matin, il est 8h43. Normalement, ici, c'est un gros embouteillage quand il n'y a pas le coronavirus, quand on est en mode de vie normal. C'est pare-choc. Ouais, c'est pare-choc à pare-choc, mais là, c'est comme un dimanche, et encore, même pas. Il n'y a vraiment personne. C'est un très très gros axe routier. Donc on va traverser l'île de Montréal pour sortir sur la rive nord, puisqu'on s'en va à Mascouche. Et des massages. Alors voilà Linda qui conduit, c'est bien, hein, je me fais mener, je me fais promener. Et moi ça me permet de... Là, tu as toussé. Non, c'est parce que j'ai le tabac. Ah oui. Et moi, ça me permet de faire mes choses sur mon téléphone, prendre des courriels, répondre aux messages, un petit peu tout ça. Là, on est lundi matin, donc il fait pas beau, il pleut. Il fait combien ? Hey, 7 degrés, ça a monté. On est parti de Sorel, il faisait 3 degrés. Ça a monté à 7 degrés ici à Montréal. C'est pas mal plus doux, au moins. D'ailleurs, on voit qu'il y a moins de neige que chez nous. Hein. Elle a beaucoup fondu, la neige, ici. Et puis voilà, ben dimanche, hier aussi, journée pluvieuse, toute la journée de la pluie. Puis en soirée, ben, pour passer le temps, d'abord on a reçu nos filles pour souper hier soir avec leurs enfants, donc on était 6 à la maison. C'était tolérable. Oui, c'est ça, ben, on est toujours ensemble, et puis on va pas voir d'autre monde d'ailleurs, donc... On fait attention toujours pour pas propager le virus. Et ah mais c'est ça, j'ai fait du pain, des mini baguettes de pain. Alors j'ai fait quelques petites toutes petites vidéos. C'est Linda qui m'a filmé. Donc voilà comment je fais du pain quand l'envie me prend. Gardez la droite pour continuer sur René à la pâte. Il fait du bon pain maison. Wow. Rentrez. Ça, c'est la pâte à pain maison. Avec de la farine à pain, bien entendu. Hein. Et on va faire des baguettes. Alors là, je suis en train de faire la
le deuxième pétrissage, juste avant de faire mes petites boules. Le monde va vouloir en avoir. Ah, c'est une baguette, ça. Là, il y a de quoi faire. Il y a 2 kg de farine, donc à peu près 30 à 32 baguettes, mini baguettes de 100 grammes. C'est juste pour briser la levée, là. Le pétrissage, je l'ai déjà fait avant. C'est juste pour briser la levée. Après, je vais faire mes petites boules qu'on va façonner en baguette et on va faire lever les baguettes avant de les mettre à cuire. Mais là, je vais vous montrer un petit peu plus haut. Alors ça, c'est un... c'est un... comment dire... un loisir, hein. C'est pas mon métier, là. J'ai jamais été boulanger. Non. Non. Mais dis-leur, qu'est-ce que tu faisais avant? Ils en savent fait, pas. J'ai été... Oui, c'est ça, je l'avais dit. J'étais cuisinier. Mm-hmm. J'ai fait de la restauration pendant 21 ans. Moi aussi. Ouais. On est deux cuisiniers dans la maison. Et dans une de mes... dans un des, on va dire, de mes contrats, ou on va dire des places où j'ai travaillé dans une auberge, j'étais le pâtissier pendant 1 an et demi. Je faisais toute la pâtisserie pour les mariages, tout ça, pour le restaurant lui-même. C'était à l'auberge Borelli à Calas. Pendant 1 an et demi, pâtissier là. Puis alors, c'est ça, c'est sûr, j'ai fait les croissants, les pains au chocolat, tout ce qu'on faisait pour les petits déjeuners pour l'hôtel aussi. Là. En plus des pièces montées et tout. Alors, bon, on y va, c'est parti. On va peser. Je pèse les boules une par une. Parce que si c'est pas exactement pareil, j'aurai des grosses baguettes, des petites baguettes, etc., etc. Hop, déjà ça c'est trop gros. Le temps de prendre l'habitude, après ça va aller. Voilà, voilà une. La baguette va t'étonner. Ici, hein. Ah oui, ça. Oui. Ben oui. Après, je fais les petites boules comme ça. On va les mettre ici. Et on continue. Ben, on va te laisser là parce que. Ben oui, ça va être long. On se retrouve tantôt. Bye. Voilà mes boules. Mes petites boules. Là, je fais les baguettes, je les façonne, ce sont des mini baguettes. Et selon les boulangers, pour créer les petites bulles d'air à l'intérieur, paraît-il qu'il faut faire comme ceci. Non, mais c'est vrai, hein? Ah oui. Ça l'étire, ça l'allonge. Et ça fait une bonne répartition des bulles à l'intérieur. Et voilà. Puis comme Linda, elle est très gourmande, elle m'a dit, fais-en encore. Mais oui, mais attendez, je vais vous montrer c'est pour qui. Fait que là. C'est pour lui, là, ce petit. Dis bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Oui. Ben, regarde-moi. Hey, comment tu t'appelles? Samy. De 32, on est passé à 64. On a fait pour la famille. Mini baguette. 64 baguettes, hey. Faut juste avoir de la place dans le congélateur. Samy, là, on vient de vous montrer, ça a été le premier portrait. Ben, premier. Non, pas ton premier, là, mais c'était un des portraits que René a fait. Ouais. Je l'ai montré d'ailleurs dans une vidéo YouTube. Ah! Vous irez voir. Oui, oui, j'ai fait ça samedi. Voilà. Et voilà le temps qu'il fait dehors. On n'a pas le choix. Il pleut. Il pleut.
Il pleut. Non, on s'occupe. Il manque une petite musique pour que tu danses. D'habitude, tu danses quand tu fais à manger. Hein? Oui, mais ça, c'est un supplément. Alors, il faudra payer un petit peu plus cher. Et bon, on va mettre 8 par plaque. Voilà, et puis on va laisser pousser, on va laisser lever la pâte à pain, le pain, les baguettes pendant à peu près une heure. Après ça, je vais les scarifier, c'est-à-dire faire des petites fentes. Normalement, il faut une lame de rasoir, puis là, je ne les ai pas retrouvées. Je vais le faire avec un couteau. Je suis en train de... Quand j'ai un moment, d'affûter mon couteau avec la pierre, de manière à ce qu'il soit très coupable comme une lame de rasoir. Et là, ça va me permettre de le scarifier sans que la pâte retombe. Et on va le mettre à cuire au four pendant une vingtaine de minutes à 450 degrés Fahrenheit. Et on vous montrera les baguettes quand elles sortent du four. On va vous mettre un petit peu de beurre aussi dessus, si vous voulez. Puis on va les goûter. À tantôt. On est rendu à l'étape, on va les mettre au four, mais juste avant, il faut faire les petites fentes dessus. Ce qu'on appelle la scarification. Il faut y aller délicatement pour pas que le pain soit brusqué et qu'il se mette à dégonfler. Voilà. L'idéal, c'est de faire ça avec une lame de rasoir, mais j'ai pas retrouvé mes lames de rasoir, Gillette. Fait que j'ai aiguisé un couteau qui coupe autant qu'une lame de rasoir. Et ça s'écarte. Et là, on voit les petites bulles d'air à l'intérieur. Et là, c'est bon, on va les mettre au four. À 450 degrés Fahrenheit. Je vais mettre autre plaque, puis de l'eau en dessous pour que ça fasse de la vapeur. Voilà. Et puis on se retrouve dès que ça sort du four. Alors là, c'est en train de cuire, de lever. Il reste 3 minutes. Bon, il reste 43 secondes, mais c'est pas grave. Ils ont l'air assez croustillants. Et voilà, comme on dit, voilà le travail. Ça, avec l'odeur en plus là, c'est quasiment douloureux de ne pas en manger tout de suite. On va laisser un petit peu refroidir avant, de mettre un petit peu de beurre et l'engouffrer. Ah, c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est bon, c'est fumant. On va goûter, c'est bon. Oh, c'est bon. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, vous manquez ça. Voilà, c'était vraiment bon. C'était waouh. Avec du pain frais, chaud comme ça qui sort du four, puis là, ça sent dans la maison. Un petit peu de fromage, un petit vin rouge. Quoi de mieux pour remonter le moral, hein? Alors, ça remonte le moral, ça remonte aussi le poids sur la balance, ça c'est certain. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, on s'en va à Mascouche donc, pour aider sa sœur qui est malade. Là, c'est sûr, elle ne peut pas sortir, elle est confinée à cause de ses problèmes de santé. Elle a eu, elle est diabétique, puis elle a eu un cancer, une petite, on va dire une tumeur cancéreuse à la sortie du nez. Puis ça a beaucoup grossi, énormément, puis ils l'ont opéré, donc ils ont enlevé une partie du nez, une partie des lèvres, du palais aussi je pense, ouais, une partie du palais, donc ça avait atteint tout ça, donc elle est complètement défigurée. Et comme ça c'est une plaie qui est très très grosse et très ouverte aussi, elle ne peut pas... Normalement elle devait aller à l'hôpital régulièrement, avoir même de la radiographie, tout ça, mais... Tout a été arrêté, elle reste chez elle, il ne faut vraiment pas qu'elle sorte. Et voilà, on va juste pour
On va prendre sa liste, on va faire l'épicerie, puis on lui ramène tout ça, on lui pose ça devant la porte. C'est elle et ses deux garçons qui vont rentrer les choses. On va les désinfecter avant que ça rentre aussi dedans, pour faire attention, ne pas faire entrer le virus dans sa maison. Et puis on fait pas de bisous, rien, puis on s'en va. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que oui, on garde le contact et tout, mais tu sais, il n'y a pas de contact physique. C'est ça, c'est une chose qui est très difficile. Voilà, donc ça va être ça notre journée. Après, on va passer à l'atelier, ramasser encore du matériel qui restait là. Puis on va rentrer chez nous, puis je vais me mettre à l'ordinateur et commencer en soirée le travail d'une journée finalement, m'occuper de toutes les réponses au courriel des abonnés à la formation, là. Régler les problèmes du monde. Je reçois tous les matins, quand je me lève, il y a une bonne cinquantaine de messages. Alors c'est des trucs, des fois tout simples, est-ce qu'il faut vraiment vernir la toile, des techniques comme ça là. Un peu comme les questions qu'on me pose sur les vidéos YouTube. Et puis, il y a des questions plus, on va dire, service à la clientèle, comme par exemple, j'arrive plus à me connecter à ma formation, j'ai oublié mon mot de passe, je me suis inscrit, mais mon paiement est passé en double. Ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. Les gens, ils s'inscrivent deux fois parce qu'ils pensent que ça n'a pas marché la première. Ils le refont, bon ben. Là, à ce moment-là, il faut annuler le deuxième abonnement, puis le rembourser, puis... Mais c'est tout, ça devient une routine maintenant, c'est pas trop compliqué, ça va bien. Mais sauf qu'on est quand même rendu à entre 1600 et 1700 membres de la formation aujourd'hui. Là, ça fait beaucoup, beaucoup, donc ça augmente et la gestion, elle aussi augmente. Alors, le nombre de courriels à traiter est de plus en plus important. Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est ce qu'on voulait de toute façon. Hein. Ça fonctionne bien, les gens sont bien contents, ils sont très heureux de ce qu'ils ont sur la formation en ligne. Et puis c'est une formation qui grossit tout le temps. Donc les gens peuvent rester. Depuis que ça a commencé, donc j'ai commencé ça en janvier 2018. Et les clients, y en a beaucoup, beaucoup qui sont là depuis janvier 2018, qui sont abonnés, qui restent là. Parce que je continue à mettre des nouveaux cours, donc c'est une formation qui est continue. Alors, on est sur le pont, là, le pont de la 25. On vient de passer la rivière des Prairies et on entre sur l'île de Laval. Et ça, c'est un pont à péage. Normalement, ils enregistrent les plaques d'immatriculation, puis on reçoit la facture à la maison. Et là aujourd'hui, pour la période de confinement, tout ça là c'est gratuit, ils ont laissé le péage gratuit. Ce qui est bien, c'est un bon geste, mais de toute façon il y a tellement peu de monde qui roule aussi. Là. Voilà, j'avais quelques questions. Comme là on va bientôt arriver, je vais faire une pause de vidéo. Et puis je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur la formation en ligne. Et je vais vous donner aussi deux réponses à des questions qu'on me pose fréquemment, que les élèves me posent fréquemment. Donc ce sont des questions certainement que vous vous posez aussi. Oui, tu avais quelque chose à dire? Mais celui qui te dit, déjà en partant, lui, il dit, pourquoi tu préfères le Canada que la France? Ah oui, quelqu'un qui m'a posé ça comme question? Attendez un petit peu, je vais sortir ma feuille. Alors, et il y en a beaucoup, le voyageur, c'est celui qui est voyageur. Ah oui, c'est ça, voyage sans passeport qui me pose la question. Bonjour René, pourquoi préférez-vous le Canada à la France? Parce que le climat est très dur. Il n'est pas si dur que ça, honnêtement, le climat... on a vraiment quatre belles saisons. Il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. L'automne, vous le savez, ici, c'est vraiment merveilleux. Des automnes comme on a au Canada, il n'y en a pas ailleurs dans le monde, je pense pas. Il y a les États-Unis pas loin d'ici, là, mais des couleurs comme ça, une belle température, il fait bon, c'est super. L'hiver, les hivers sont très froids, très rudes, mais
c'est sec, on le sent bien, on le prend bien. On est bien équipé en vêtements aussi, donc les hivers, à part le fait qu'ils sont très longs, ça va très bien. On peut sortir dehors quand il fait froid. D'ailleurs, quand il fait froid, il fait beau, il y a du soleil. On aime beaucoup ça. Vous savez, moi, j'ai vécu à Marseille, beaucoup, beaucoup. Je suis né à Marseille. Mais quand j'étais en France, j'avais des pneus. J'étais un des rares Marseillais à avoir des pneus d'hiver, comme ici au Québec. Quand arrivait le début de l'hiver, je mettais mes pneus d'hiver, puis je les gardais jusqu'au printemps. Pourquoi ? Eh bien, parce que je m'en allais dans les Alpes. J'aimais beaucoup la neige, énormément, le ski, tout ça. Quasiment tous les dimanches ou les week-ends, des fois on partait pour les vacances scolaires aussi plus longtemps, on partait dans les Alpes. Donc c'était vraiment... j'aimais ça, les grands espaces, la neige, tout ça. Là. Donc ça, je pense que j'ai pas mal trouvé ça ici. La campagne, la forêt, les parcs ici, c'est magnifique. Hein. C'est les grands espaces, c'est immense. Donc oui, le climat... Non, le climat n'est pas beaucoup plus rude. C'est juste que quand on est dans le sud de la France, c'est sûr, il fait beau quasiment tout le temps, il fait chaud tout le temps. Mais on ne s'en rend pas compte. Quand on est au mois de décembre en France, qu'on est français, on a froid, on tremble, on est couvert, il pleut tout le temps, on n'aime pas ça. Mais c'est sûr, quand on arrive ici, c'est beaucoup plus froid. La différence est importante. Mais aujourd'hui, là, quand je vais dans le sud de la France au mois de décembre, pour moi, là, c'est comme ici, quasiment l'été. Là, c'est vert partout. Le paysage est vraiment différent. Donc voilà. Alors bon, mais c'est un choix quand même qui a été fait depuis très 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 longtemps. Hein. T'es venu me chercher. Oui, c'est ça. Moi, j'ai émigré ici en 98. Mais ça, c'était une action que j'avais faite avec mon ex-femme. Et on est parti, on est venu ici avec les enfants, mais. 10 ans auparavant, on avait déjà pris les informations. 10 ans auparavant, on avait eu l'idée de venir ici. Pour le goût, pour le plaisir, pour le changement. Parce que à cette époque-là, il y avait aussi, comment dire, on disait que au Canada, c'était le pays où on avait la meilleure qualité de vie puis le meilleur pouvoir d'achat. À cette époque-là, même moi, j'avais entendu dire que c'était au Canada que les salaires, ils étaient les plus élevés, par exemple. C'est sûr qu'après ça, en 98, c'était complètement différent. C'est certainement à cause des... je pense qu'il y avait une crise en 89, quelque chose comme ça. Là. Mais bon, il y a eu... ça a changé. C'est sûr que les salaires ne sont pas si élevés que ça. Mais le coût de la vie est beaucoup moindre aussi par rapport à la France. Les loyers, les maisons, les autos... Ça a beaucoup changé. Hein. Quand je suis arrivé en 98, l'essence, elle était à moins de 50 cents le litre. Moins de 50 cents. Puis là, avant la crise du coronavirus, on était presque à 2 dollars le litre, presque. Pour vous donner un petit peu l'augmentation qu'il y a eu. Hein. Les maisons aussi, jusqu'à, je dirais, c'est la bulle immobilière, elle a eu lieu quand ? Peut-être en 2002, 2003, quelque chose comme ça, par là, je ne sais plus exactement. Le prix des maisons a doublé, voire triplé ici en 2002-2003, vous voyez. Donc, c'est sûr qu'en arrivant en 98, tout était vraiment pas cher, pas cher, pas cher. Voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça. Ici, vous pouvez laisser la voiture ouverte. Et on a oublié de fermer la voiture, ben, elle est toujours là. Puis tout ce qu'il y a dedans est dedans. Et là aussi, même sur les stationnements des centres commerciaux, il n'y a pas de vol comme en France. Il n'y a pas de... dans les grandes villes, du moins... c'est ça, la qualité de la vie de ce côté-là, c'est pas comparable du tout. Ici, la nuit, vous dormez tranquille, vraiment tranquille. Oui, il se passe des choses, on en entend à la radio, aux informations, oui, il s'en passe, mais tellement, tellement peu. Mais ça dépend du quartier aussi. Tellement, ça dépend des villes. C'est sûr, dans les grandes villes, c'est plus courant, là, mais quand même. Les gens sont très agréables, approchables, tout ça. Là. Mais culturellement, c'est très différent. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à la question voyage sans passeport. Mais moi, je voyage toujours avec un passeport, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on va arriver à Mascouche bientôt. Donc je vous laisse et je vous retrouve pour répondre aux questions techniques qui m'ont été posées dans un petit moment, dès qu'on a fini l'épicerie puis qu'on l'a livrée. À tout de suite. Bye bye.
les parcs industriels de Saint-Bruno de Montarville. Alors là, on a fait toutes les commissions qu'on avait à faire. On est passé à l'atelier, on a ramassé du stock, des affaires qui nous restaient. Puis, alors je vais répondre aux questions du jour, ou du moins les questions de la veille. Alors, je suis revenu sur la question de Laurette. Oui, c'est ça. Sur le blanc moelleux. Le blanc moelleux, je suis allé voir sur internet, j'ai tapé peinture, huile, blanc moelleux, je n'ai rien trouvé du tout, du tout. Alors, que pensez-vous de la technique des peintres russes Igor Shaharov? Alors, quelqu'un d'autre m'a dit que le blanc moelleux était utilisé aussi par Denis Cloutier, le magicien des couleurs, le peintre qu'on voit peindre sur YouTube à la manière de Bob Ross. Blanc moelleux, est-ce qu'il veut parler du fameux liquid white de Bob Ross? Je ne sais pas du tout, mais il n'existe pas de blanc moelleux sur l'internet, je n'en ai pas trouvé. Par contre, il existe ce fameux blanc de Winton qui s'appelle le mixing white. Mixing white qui est, je ne sais pas comment ils appellent ça en français, je ne me rappelle pas. Qui est un mélange de blanc de zinc, de blanc de titane et qui contient plus d'huile. Donc ça nous fait un blanc qui est... bien sûr un peu moins opaque que le blanc de titane pur, mais il est très fluide et beaucoup plus facile à utiliser, à mélanger en peinture, parce que d'une manière générale le blanc de titane est toujours assez épais, assez pâteux, surtout s'il est un petit peu vieilli dans le tube, et à ce moment là ben, le blanc pour mélange mixing white, lui il est vraiment beaucoup plus fluide, plus souple et très agréable à utiliser. Voilà, on m'a demandé, donc Laurette m'a demandé qu'est-ce que je pense de la technique des peintres russes, comme celle de Igor Sakharov. J'ai été voir un peu, ben, il me semble que je l'avais aperçu une fois ou deux, je suis allé voir donc ces vidéos. C'est une façon de peindre qui est très assez impressionniste. C'est vite fait quand même, c'est pas une peinture lente. Ça, il utilise aussi des couteaux, des pinceaux assez gros, des techniques un petit peu. Il y a un petit peu du Bob Ross là-dedans et un petit peu de l'impressionniste. Les deux sont un petit peu mélangés, et ce qui donne des tableaux où bon, la composition est belle, les harmonies colorées aussi, les profondeurs sont bien rendues par les luminosités et les couleurs. Donc ça fait des beaux tableaux, c'est très bien, c'est super beau. J'aime bien ça, oui, effectivement. Voilà ce que je pense de ces peintures-là, c'est bien. Vous savez, des techniques de peinture, il y en a plein. Chaque artiste, il va un petit peu, va un petit peu développer sa manière de peindre et sa méthode avec le temps. Et puis, ça va donner des tableaux qui vont avoir des points forts. Certains, ça va être la couleur, d'autres, c'est la luminosité. Certains c'est la touche, tu sais, y a un point qui ressort, et c'est ça qui fait qu'après ben, on va aimer tel ou tel artiste plus que d'autres. Comme je suis beaucoup sur Facebook, par exemple José Salvaggio, que j'aime beaucoup, c'est un de mes des peintres que j'aime le plus, qui, on va dire, qui expose ses œuvres et sa façon de peindre sur internet. José Salvaggio, ici au Québec, il y en a plusieurs aussi. Ah oui, j'aime bien aussi un pasteliste de Bretagne. Comment il s'appelle déjà? Oh mon Dieu, j'ai un petit trou là. Non, ça ne me revient pas. Je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Monsieur qui est sur Facebook, donc je suis un petit peu sur son évolution. C'est un pasteliste, il fait des paysages marins extraordinaires, c'est vraiment très très beau. Et dans mes peintres favoris, il y a énormément de peintres américains, parce que j'aime leur style, ce style-là de peinture. Richard Schmidt, entre autres, Richard Schmidt qui est un peintre américain que j'aime beaucoup. Mark Bodge, il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Alors, une autre question, celle de Jean-François qui demande comment faire soi-même de l'ocre jaune. Alors l'ocre jaune, c'est un terre, les fameuses terres d'ocre du Roussillon, de Roussillon,
dans la ville de Roussillon, dans le Vaucluse, les carrières d'ocre, le Colorado provençal, ces choses-là, ce sont des terres brunâtres. Hein. Alors l'ocre jaune, c'est un terre qui est jaune mais un petit peu verdâtre aussi. Alors si on n'en a pas et qu'on veut le faire, moi je dirais je prendrais du terre d'ombre brûlée avec du jaune primaire, jaune cadmium, un jaune et du terre d'ombre brûlée. Donc dans du jaune, je mets un petit peu de terre d'ombre brûlée, ça va avoir une couleur qui va déjà se rapprocher de l'ocre jaune. Si votre couleur obtenue, vous la trouvez un peu trop verdâtre, parce que ça va virer vert, hein. Si c'est trop verdâtre, mettez un tout petit peu, très peu de rouge ou de sienne brûlée. Ça serait pas mal ça pour obtenir l'équivalent de l'ocre jaune. Ensuite de ça, j'ai une question de Christian qui dit « Je suis peintre amateur, mais je travaille beaucoup dans la spontanéité, la rapidité. Je peins à l'huile. Ne devrais-je pas peindre à l'acrylique, ce qui permet d'être plus rapide qu'à l'huile ?» Moi, je vous dirais oui, si vous êtes dans la spontanéité, la rapidité, c'est sûr que c'est mieux l'acrylique. L'acrylique, si vous n'en avez jamais fait au début, quand on passe de l'huile à l'acrylique, ça peut paraître un petit peu difficile. Faut s'habituer à l'acrylique. Donc il faut persévérer, en faire de plus en plus, commencer par des petits tableaux, se laisser aller sur des petits cartons entoilés, nature morte, simple, quelque chose de facile pour pratiquer, pour essayer de comprendre la matière, de la sentir, la matière de la peinture acrylique. Essayez d'utiliser des bonnes acryliques. Moi je vous conseille la Golden parce que si vous arrivez de la peinture à l'huile, c'est une acrylique qui ressemble un peu à la peinture à l'huile au niveau de la texture. Et vous allez trouver du plaisir par rapport aussi à l'opacité. Travaillez avec de la peinture pure, peut-être parfois diluée avec de l'eau lorsque c'est pour des couches de fond, mais après ça, avec de la peinture pure. N'essayez pas d'étendre la peinture trop en grande surface et soyez généreux, mettez toujours beaucoup de peinture sur le pinceau. Voilà, ça c'est les meilleurs conseils que j'ai à vous donner. Après ça, allez-y. Peignez, puis avec la pratique, vous allez aimer ça l'acrylique. Et après, vous allez pouvoir passer de l'huile à l'acrylique en fonction du sujet, en fonction du tableau, en fonction de la méthode que vous allez appliquer sur la toile. Vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre avec toute liberté et autant de facilité avec l'un qu'avec l'autre. Ensuite de ça, Mika m'a dit « Bonjour, on m'a conseillé de la glycérine pour retarder le séchage de la peinture acrylique. » La glycérine, c'est de l'huile végétale. Je prends connaissance de la question maintenant. J'ai pas été voir sur internet s'il y avait des techniques d'utilisation de la glycérine avec la peinture acrylique. On peut pas mélanger la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est gras. La peinture à l'huile, c'est de l'huile de lin, donc c'est une huile végétale. Il y a aussi de l'huile de noix, de l'huile de yette. Quand on parle d'huile de yette, c'est du coquelicot finalement, c'est des graines de coquelicot, de pavot. Ce sont toutes des huiles végétales. La glycérine est une huile végétale. Moi personnellement, je me dirais non, on ne peut pas mettre de l'huile avec de l'acrylique. Si ça se pouvait, effectivement, l'huile retarderait certainement le séchage de l'acrylique. Alors je ne sais pas, de ce côté-là, je vous dirais vérifier, faire des recherches sur internet, à savoir si c'est possible. Si on met de l'huile végétale, donc de la vaseline dans l'acrylique, oui, c'est certain que ça va retarder le séchage parce que l'huile ne sèche pas par évaporation, l'acrylique oui, donc ça va sécher par un certain temps d'oxydation. Alors je ne peux que répondre de cette manière là à cette question là vous voyez, je ne suis pas une encyclopédie, un dictionnaire ou un sorcier, hein. Je suis quand même aussi un petit peu limité avec mes connaissances et je ne veux pas non plus dire n'importe quoi. Si je vous dis oui, allez-y, et puis que c'est pas ça, je vais vous envoyer vers une erreur, hein. Donc non, je n'en sais pas plus, désolé. Les questions, hop, hop. Bonjour René, ça c'est Sophie. Est-on obligé d'utiliser un médium à glacis? La peinture bien diluée ne pourrait-elle pas suffire? Alors là, on parle encore des glacis. Une peinture bien diluée, d'ailleurs j'en ai parlé. Oui, on peut diluer la peinture pour faire un glacis. Mais diluer avec quoi? Voilà, vous pouvez diluer avec de l'eau.
Vous pouvez diluer avec un médium ordinaire, acrylique, et vous pouvez diluer avec un médium à glacis. Si vous diluez avec un médium à glacis, vous utilisez le meilleur moyen pour diluer la peinture, pour réaliser des glacis, puisque c'est fait pour ça. Si vous diluez avec un médium ordinaire, vous allez avoir un médium plus épais, qui va sécher peut-être plus vite, et qui est plus blanchâtre lorsqu'il est frais. Donc ça va être moins bien, tout simplement. Mais c'est faisable, mais c'est moins bien, moins pratique, moins agréable. Si vous diluez seulement avec de l'eau, ça va sécher aussi vite, ça se fait très bien, mais vous allez avoir une mauvaise répartition des pigments. Vous allez voir des petites taches ici et là, parfois plus colorées, parfois moins colorées. Ça va être irrégulier. Donc oui, vous pouvez l'utiliser de l'eau, mais votre résultat sera différent. Selon les cas, moins satisfaisant. Maintenant, si c'était pour la peinture à l'huile, parce que ce n'est pas précisé, hein, est-ce qu'on est obligé d'utiliser un médium à glacis si on fait une peinture à l'huile? Alors non. Pour la peinture à l'huile, le médium à glacis, c'est le Liquin, c'est le meilleur. Maintenant, il y en a d'autres aussi dans les autres marques. Mais c'est pas mal, toujours l'équivalent. Hein. On peut faire des glacis aussi avec du médium flamand. Médium flamand, médium vénitien, ce sont des médiums qui apportent de la transparence et qui peuvent être utilisés pour du glacis. Je pense que c'est écrit sur le tube d'ailleurs aussi. Alors on peut utiliser simplement de l'huile de lait, comme c'était fait avant. Diluer la peinture avec l'huile, mais vous allez avoir un temps de séchage beaucoup plus long qu'avec des médiums à glacis, puisqu'ils sont faits pour accélérer le séchage. D'autres questions? Alors, René. Bonjour René, et bonjour tous les autres. De toute façon, j'ai déjà dit bonjour tantôt. Question, j'utilisais dans mon métier de peintre en bâtiment du cicatif. Peut-on l'utiliser dans les peintures à l'huile pour mes toiles en lin pour augmenter un séchage plus rapide? Alors oui, en peinture à l'huile pour artistes, il existe le fameux cicatif de Courtrai. Ce cicatif va servir à faire sécher la peinture plus vite, la peinture à l'huile. Donc on en ajoute quelques gouttes dans la peinture, dans notre médium, dans notre mélange, et ça va accélérer le séchage de la peinture à l'huile. C'est fait pour ça. Mais attention, c'est très liquide, un peu comme de l'essence de térébenthine. Si on en met trop, ben ça dilue plus la peinture, bien entendu. Mais surtout, si on en met trop, la peinture va craquer. Ça va faire craquer la peinture. C'est reconnu pour ça. Et c'est écrit sur le flacon ou peut-être sur les sites internet où ils vendent le produit. Faites attention. Le mieux, c'est toujours d'aller sur le site internet du fabricant. Vous prenez du cicatif de Courtrai, bon, ben, allez sur internet, tapez cicatif de Courtrai. Alors, je ne sais pas qui le fait, peut-être le Frambourgeois, je pense, doit en faire, oui. Marquez cicatif de Courtrai, le Frambourgeois, puis vous allez tomber sur la fiche technique et vous allez pouvoir voir toutes les informations, notamment comment l'utiliser, la quantité à utiliser par peinture, tout ça, et les risques que ça peut avoir si on en met trop, etc., etc. Moi, j'en ai à mon atelier, puis j'en ai utilisé, là j'en utilise plus du tout maintenant parce que j'utilise le médium alkyde qui sèche aussi beaucoup plus vite et qui ne risque pas de faire craquer la peinture. J'étais sur ma dernière page. Alors bonjour René, ça c'est Paul. Merci pour les vidéos quotidiennes qui nous instruisent et nous sortent de notre confinement un peu difficile à supporter. Même à Amélie Les Bains, 66, Pyrénées-Orientales. Ah, moi j'aime beaucoup, j'ai été beaucoup dans les Pyrénées-Orientales, mais pas dans ce coin-là, enfin de l'autre côté du mont Canigou. Amélie Les Bains est au sud-est du mont Canigou. Moi j'étais au nord-ouest, à Kérigut. Certainement vous connaissez ça, Kérigut. Un petit village de montagne, pas tellement loin de Font-Romeu. Les stations de ski où on allait, c'est ça, Font-Romeu, Les Angles. Je me souviens plus et ça fait longtemps. Là, je vous parle des années. Oh mon Dieu. 79, 80. Années 80, 81, par là, oui. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Alors, Paul me demande. Non, excuse, c'est pas Paul. C'est parce que ça tremble, la voiture tremble. C'est Pat. Ah, c'est ça, ben, c'est lui, c'est Pat qui me dit
J'ai vu sur YouTube Denis Cloutier, le magicien des couleurs, se servir du blanc moelleux. Ah, ben voilà. Ben, j'ai pas vraiment regardé beaucoup ces vidéos. Je le vois. Quand je regarde un petit peu le début, le milieu, la fin. Je le mets pas au complet. Je le vois aller. Je sais. Je vois comment il utilise ses pinceaux. Tout ça, je me dis, ah, ben c'est bon, là, c'est la méthode Bob Ross. Et puis, par contre, lui, par rapport à Bob Ross, il donne certaines indications, genre composition, des choses comme ça, que Bob Ross, il donne pas ça. Il donnait pas ça. Alors Christiane qui demande, merci René, j'aimerais savoir si on est obligé de vernir un tableau. Non, on n'est jamais obligé de vernir un tableau. Je vais prendre un exemple en peinture à l'huile de Marcel Musli, un de mes professeurs, artiste peintre ici au Québec, dont le nom Musli vient de la Belgique, c'est d'origine belge. Lui, là, il peint à l'huile. Des tableaux très beaux, hyper réalistes, magnifiques. Si vous allez sur internet, tapez ça. Marcel Musli, M-U-S-S-E-L-Y, peintre ou peinture. Vous allez voir, ces tableaux, ce sont des immenses, grands formats, des paysages. On dirait que c'est plus beau que des photos. C'est vraiment magnifique, magnifique. Je l'ai eu comme professeur pendant plusieurs années à l'école. Moi, j'ai donné des cours après, en même temps que lui, on donnait des cours dans une salle chacun. Puis je l'ai engagé comme professeur dans mon école aussi. C'est vraiment excellent. Alors lui, voilà. Lui, quand il peint, il finit ses tableaux avec des textures, des petites touches de pinceau en relief un petit peu, tout au pinceau. Et il va utiliser la brillance de ses couleurs pour donner des effets à ses tableaux. Par exemple, un terre d'ombre brûlé, on le sait, c'est terne, hein, un petit peu, ça brille pas beaucoup. Et il va utiliser de la terre d'ombre brûlée pour les endroits où il veut que ce soit mat. Et il va prendre d'autres couleurs, un mélange avec du cramoisi d'alizarine ou certains jaunes qui sont brillants pour faire briller sa peinture à d'autres endroits. Donc il va avoir dans son tableau des endroits plus mat, des endroits plus brillants. Et ces effets-là, il veut les garder jusqu'à la fin de sa toile. Donc il ne peut pas vernir un tableau parce que s'il le vernit, mettre du vernis brillant, tout va briller. S'il met du vernis mat, tout va être mat. Ça ne fonctionnera plus, ces effets-là, vous voyez. Donc il ne vernit pas. Quand on peint à l'huile, sachez une chose, c'est qu'une peinture à l'huile, on peut en acheter en pot pour peindre des escaliers en métal à l'extérieur, pour peindre des volets. On n'est pas obligé de vernir sur ces choses-là lorsqu'on les a peintes. La peinture à l'huile est permanente et solide, solide aux intempéries. Donc non, ça n'est pas obligé de vernir un tableau. Pas du tout. On va le vernir. Donc pourquoi? Pour égaliser la brillance. Et on va le vernir pour le protéger des ultraviolets, paraît-il, faciliter le nettoyage de la poussière, par exemple, parce que ça le rend un peu plus lisse. On va vernir un tableau pour faire ressortir des couleurs dans les zones très foncées, très sombres. Ça lui donne un aspect comme si la peinture avait été remouillée un peu et ça va rester comme ça. Donc dans certains cas, le vernis est très utile, mais ça n'est pas obligé de le mettre. Maintenant, on ne m'a pas parlé de c'est l'huile ou l'acrylique. Alors en acrylique, je vais vous dire, la peinture acrylique, je l'ai déjà dit, c'est du polymère, c'est une matière plastique. Donc c'est solide, c'est propre, c'est du plastique là. La poussière glisse dessus. On n'est pas obligé de vernir un tableau acrylique non plus. On va le vernir pourquoi? Ben pareil que pour l'huile. Pour faire ressortir des couleurs dans des zones très foncées. Pour égaliser la brillance des couleurs si on veut qu'elles soient égales. Et pour permettre à la poussière de glisser un peu plus facilement dessus. Mais dans tous les cas, un tableau à l'huile qui n'a pas été verni ou à l'acrylique qui n'a pas été verni pourra quand même être nettoyé si nécessaire plus tard. Par contre, les tableaux vernis avec un vernis final pour la peinture à l'huile, on ne pourra pas repeindre dessus sans avoir décapé le vernis avant de continuer. J'ai vu qu'on m'a parlé aujourd'hui, pendant qu'on était en voiture, j'ai fait un petit check là, quelqu'un qui m'a dit dans un de mes cours que le vernis d'Amar et un autre vernis de Winsor & Newton, la personne me dit que sur ces vernis là on peut repeindre. Il va falloir que je m'informe et que je regarde ça. Le vernis d'Amar, c'est
un vernis qui est très connu par les artistes, qui est utilisé en mélange. Par exemple, lorsqu'on fait un mélange de huile de lin plus solvant, diluant en peinture, pour nos respecter le gras sur maigre, il y a des artistes peintres, comme les Américains, qui vont rajouter une part égale de vernis d'amarre dans les trois mélanges. Le mélange pour la première couche, deuxième couche, troisième couche, avec de plus en plus d'huile pour respecter le gras sur maigre, et bien ils mettent un petit peu de vernis d'amarre dans chacun de ces mélanges-là, ça accélère le séchage. Voilà, ça c'est ce que je sais. Je l'ai essayé, je l'ai pratiqué, ça fonctionne bien, ça sèche plus vite. Le vernis d'amarre a une petite odeur un petit peu comme du... l'odeur de tous les vernis qui ressemble à l'odeur de la térébenthine. Ça, c'est très collant, mais oui, ça sèche très vite aussi. Si on mettait juste du vernis, ça sèche très vite. Voilà, je suis passé au travers de toutes les questions d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous rajouter à ça une question qui m'a été posée très souvent. Comment fait-on pour devenir un bon peintre? Comment fait-on pour devenir bon en peinture? On me l'a posé énormément à l'atelier, surtout des élèves qui sont en classe, mettons des débutants qui commencent à peindre, puis dans la pièce d'à côté, ils voient des personnes un petit peu plus avancées qui sont là depuis peut-être 3-4 sessions, donc un peu plus longtemps qu'eux, mais qui trouvent que leurs tableaux sont magnifiques, c'est super beau et tout ça. Alors ils les voient comme ça, ils sont débutants, ils disent « moi je suis débutant, je commence à peindre, lui il est bon comme ça ». Comment ça se fait? Ça prend combien de temps pour être bon comme ça? C'est la question que les gens posent. Eh bien, moi je vous dirais, le temps, c'est pas juste une question de temps, c'est une question de combien de temps je peins par semaine. Hein? Parce que quelqu'un qui va faire un petit peu de peinture une heure par semaine ou deux, ça va lui prendre plus de temps que la personne qui va faire 6 heures par semaine. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut pratiquer le plus possible. Après ça, c'est est-ce que j'apprends plus vite ou j'apprends moins vite? Mais pourquoi j'apprends plus vite ou j'apprends moins vite? La personne qui apprend plus vite, ça va être la personne qui n'a pas peur, qui se dit sur mon tableau, j'apprends. La personne qui a peur, qui se dit, je ne veux pas manquer mon tableau. Ça va lui prendre plus de temps pour être bon. Vous comprenez? Ça, ce sont les deux choses. Alors, pour devenir bon en peinture, essentiellement, ça prend deux ingrédients. Le premier, c'est apprendre les techniques, donc suivre des cours, se former, s'informer. Et la deuxième chose, c'est l'appliquer, pratiquer, en ayant toujours à l'esprit que l'important, c'est l'apprentissage d'abord, et le tableau, on verra après. Voilà. Donc, tant que vous avez peur de manquer votre tableau, vous ralentissez dans l'apprentissage, ça va être plus long. Si on peint avec plus de nonchalance, qu'on se laisse aller, mais qu'on essaye toujours de tenir compte des règles, mettons, je fais de la peinture, là, je dis, mon tableau, là, actuellement, il n'est pas beau, chose qu'on normalement ne devrait pas dire. Si on reste là, un poil dans la bouche, si on reste là à se dire, mon tableau n'est pas beau, puis je ne sais pas quoi faire. On n'est pas dans un bon état d'esprit. Il faut se demander plutôt, mon tableau, il n'est pas beau, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme règle de base que je n'ai pas appliquée et qu'il faudrait que j'applique pour que ça s'améliore? Voilà. Donc, on va chercher les défauts, on va chercher les problèmes. Et puis, alors, tout ça, c'est sûr que c'est ça. Et là, on rejoint le deuxième ingrédient dont j'ai parlé, c'est connaître les techniques. Hein. Connaître les techniques et puis... faites-vous des checklists, ça c'est tellement bien, une liste tout le temps. Faites-vous une petite liste simple, à dire, pour chaque tableau que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, que la composition soit belle, que l'harmonie colorée soit là. Il faut que je donne la profondeur par les couleurs, que je donne la profondeur par la perspective linéaire ou aérienne. Vous voyez? Pour que mon tableau soit beau, il faut que... j'ai une bonne relation dans les valeurs, que j'ai de bons contrastes, donc, vous voyez. Il faut que je fasse attention à tous les contours, que je ne mette pas toujours des contours nets. Des fois, il faut qu'ils soient nets, mais des fois, il faut qu'ils soient flous. Hein?
voyez, toutes ces choses-là, et puis si vous faites une checklist de ces choses-là, donc les bases que vous apprenez dans des cours, que vous apprenez dans des vidéos, et vous devenez extrêmement technique. Vous faites rentrer la technique en vous. Et quand vous faites de la peinture, ça n'est plus tellement passif. Laissez aller le pinceau, puis on va voir ce que ça donnera, et puis on y va avec l'émotion. Non, c'est plus technique, ça vous permet de mettre sur votre tableau, sur votre toile, les choses qu'il faut. Au début, c'est ça, ça demande de la réflexion, du travail. Puis petit à petit, à force de le faire, ça s'ancre en vous, ça rentre en vous, ça devient des habitudes, de la facilité. C'est comme apprendre à faire jouer du piano, comme apprendre à faire du vélo, à marcher. Ça devient naturel, puis quand c'est naturel, après, vous ne posez même plus les questions, ça se fait tout seul. Et c'est là où vous êtes devenu bon et vous allez faire maintenant des beaux tableaux parce que c'est comme ça, c'est comme un instinct. Et puis, vous allez pouvoir à ce moment-là développer votre technique, développer votre style, choisir les sujets que vous voulez parce que lorsqu'on sait peindre, lorsqu'on peint avec toutes ses connaissances et qu'on les applique, comme je le disais toujours à mon atelier, il n'y a rien qui est difficile, tout est facile, autant facile. Quelqu'un me disait, mettons, ouais, c'est difficile pour moi parce que moi, j'ai jamais fait ça, un cheval. Oui, ça, c'est difficile parce que moi, j'ai jamais fait ça, un paysage. Bien, ça devrait jamais se dire parce que de la peinture, c'est toujours la même chose. On applique les techniques, que ce soit un cheval, un paysage, un portrait, tout est pareil à partir du moment où, d'ailleurs, quand on va faire de la peinture au niveau du, on va dire, du dessin, la difficulté, hein, quand c'est le dessin, on ne doit pas se dire, admettons, je fais un portrait, je ne dois pas me dire, là, je suis en train de faire un œil, un nez, une bouche. Mais ça serait comme un cours de dessin. Hein. Je ne peux pas développer tout ça maintenant, mais il faut se dire, je fais cette ligne, je fais ce trait, je fais ceci, je fais cela. Donc, on ne doit pas savoir ce qu'on fait pour arriver à le faire bien. C'est ça qui est important, hein, à la base. Donc, à partir du moment où on ne doit pas savoir ce qu'on fait, on doit pouvoir tout faire, voilà, tout simplement. Ça m'est arrivé des fois à l'atelier, justement, de le dire, ben, voyez, là, c'est la première fois que je fais ceci, que je fais cela, c'est la première fois, en peignant sur la toile d'un élève, je ne sais pas, je pourrais chercher un exemple. Je l'ai dit, je sais, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, mais lorsque je vais faire quelque chose pour la première fois, ce n'est pas plus difficile que si je l'avais déjà fait 20 fois. Parce que ça n'est pas le sujet qui donne la difficulté en peinture. Ce qui donne la difficulté en peinture, c'est de ne pas savoir peindre, de ne pas savoir, pas connaître les techniques, les bases, et ne pas savoir les appliquer. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc après ça, vous allez avoir la liberté de peindre tout ce que vous voulez, tout, n'importe quoi. Voilà, ça c'était... Alors combien de temps ça prend pour être bon? Ben, ça dépend de chacun. Justement, le fameux peintre Marcel Mussli, lorsque je suivais des cours avec lui, on lui posait la question aussi, je les connais les réponses. Il disait, oh, le plus difficile c'est les 20 premières toiles. Mais il disait un peu en plaisantant parce que après ça, des fois il disait, le plus dur c'est les 10 premières années. Ça c'était pour décourager le monde. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de durée, il n'y a pas de temps, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont l'avoir plus facilement que d'autres aussi. C'est dans le cerveau, cerveau gauche, cerveau droit aussi. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal passé au travers de tout ça. Alors on a beaucoup de bruit dans la voiture parce qu'il y a les chaises derrière qui bougent. On est sur les routes du Québec, c'est plein de trous, plein de creux. Voilà, je fais profiter de ça. La forêt, à la fin de l'hiver, la neige vient de se dégager, il n'y en a plus de ce côté-ci. Il en reste encore un petit peu de l'autre côté là-bas. Alors il y a une chose que je voudrais vous dire aussi qui n'a aucun rapport avec la peinture. J'ai eu une personne qui m'a parlé dans des messages en correspondance dans mes cours là, qui m'a dit qu'elle est dans l'est de la France, le nord-est, là, dans le coin de l'Alsace, tout ça. Et on l'a vu aux informations aussi, c'est quelque chose d'assez terrible. Les gens qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux là-bas, qui sont contaminés par le virus, partent en ambulance, dans des avions de l'armée, ils partent dans des TGV, des trains, ils chargent des trains de ces gens malades là pour qu'ils aillent se faire soigner dans des hôpitaux où il y a moins de personnes atteintes, des hôpitaux où il y a des lits de libre, et ils s'en vont se faire soigner dans d'autres régions de France, loin de tout le monde, loin de leur famille. Ils vont être là-bas dans une chambre d'hôpital. C'est sûr que ils n'ont pas droit aux visites, même quelqu'un qui est, je sais pas, qui habite en Alsace,
qui tombe malade, se retrouve dans un hôpital d'Alsace, mais elle sait que sa famille est là juste à côté. Même s'il n'y a pas droit aux visites, on le sait. Mais quand on sait qu'on est rendu à 700, 800 km de notre maison, notre famille est à la maison, puis nous, on est à 800 km de là, malade, tout seul dans un lit d'hôpital. Ça, c'est, je pense, une des choses les plus inimaginables. Ça fait penser à la guerre, ça fait penser au train qui transportait, que les Allemands transportaient les prisonniers de guerre. Là, ouf, c'est fou. Hein. Alors, ben, on a une pensée, Linda et moi, Linda qui est à côté, qui conduit. On a vraiment une pensée pour ces gens-là et toute leur famille aussi, parce que c'est aussi difficile pour la famille qui est loin de son membre de famille, son parent qui est malade, tout ça, là, c'est terrible, terrible, terrible. Alors, on a vraiment une très grosse pensée pour vous et on vous souhaite que tout ça finisse au plus vite et que ça devienne juste un souvenir, mauvais souvenir, mais juste un souvenir. Alors, on vous souhaite le meilleur pour vous toutes et tous, pour vous, vos proches, votre famille. Protégez-vous, oui. Soyez en forme, soyez en santé. Puis on vous fait un petit bye-bye et on vous dit ben, à demain pour une autre vidéo. Bye-bye. Bye. Regarde la route. Allez, un petit peu sur la route. On arrive à Sorel dans 5-10 minutes.